be nice, don't you think? Oui, mais on vient d'arriver, on va pouvoir se reposer. Ok. We do it my way. Ah. Ah, Valérie? Ok. Valérie, vous êtes là près du comptoir et vous touche l'épaule. Kyoto, je vais vous parler. Maintenant que le seigneur Serf est vaincu, les terres volées vous reviennent de droit. Jamandi Aldori vous apportera tout son appui et vous donnera le titre de baron. Que ferez-vous quand vous monterez sur le trône, Keto? Ne venez pas me dire que vous n'y avez pas songé. Il n'est pas chaotique, du coup. Ce que je ferai, ne m'inquiète pas. Oh, tout ce qui m'importe, c'est que je pourrais en tirer... siéger sur un trône, ça verrait fort lucratif. C'est pas le genre de réponse que j'attendais dans le futur seigneur d'être voilé. J'espère qu'avec le temps, vous prendrez vos responsabilités un peu plus au sérieux. Ouais. Vendeur. Construction. Montrez-moi ce que vous avez, parce que moi, du coup, je vais tout donner. C'est qu'ils sont pas limités en thunes, donc laissez tranquille de ce côté là. Ok. Est-ce que c'est tout à toi que je dois rendre la quête? C'est bizarre. Bonne nouvelle Oleg, si. Le seigneur Serf est mort. Nous avons trouvé sa forteresse et envoyé la canaille 6 pieds sous terre. Bon débat. Au lieu de survivre au jour le jour, on va peut-être pouvoir vivre normalement dans les terres volées. Les gens vont commencer à affluer. Ce serait bon pour les affaires. Mais j'imagine déjà que le boucan que ça va causer. Enfin, ce n'est pas votre problème. J'imagine que vous avez hâte de rentrer à Restov pour annoncer votre victoire retentissante. Restov m'attend, je vais partir sans plus tarder. La brume a l'air de s'estomper, mais il vaut mieux... La brume a l'air de s'estomper, mais il vaut mieux attendre qu'elle se dissipe totalement. Pendant ce temps, je vais rassembler des provisions pour votre voyage, histoire que vous retrouvez à Restov... votre retour à Restov soit agréable. Qu'est-ce que je voulais faire? I require rest. Good work. Nice to see I haven't lost my intuition for people. Not many would have managed to set out to the stolen lands and return with the stag lord's head, but I knew you could handle it. Alors, vous m'avez quand même accusé d'être le traître, hein, donc jugez moi. You've pulled it off even faster than I expected. Very good. We were short of time, and these months you've won for us proved very useful. Lord Mayor Selemius especially appreciated it, and asked me to give you this little token of gratitude. Congratulations are in order. Today, you'll receive the title of Baron before the High Society of Restov, and even Natala Sertova personally. God's bless her. Tomorrow, you'll be able to return to the Stolen Lands if you wish, but this time, as a ruler. But matters of state can wait. For now, enjoy this feast in your honor. All the city leaders are here. It's a great opportunity to make some useful connections. Speaking of connections, let me introduce you to Cassil Aldori. He's my adopted son and apprentice.
He's a trustworthy man. I'd like to send him with you as an envoy. Kazin, un jeune demi-orc au maintien remarquable, s'incline devant vous avec grâce. Avez-vous eu vent de la trahison de Tertuccio? Of course. Keston gave me a full report. You dealt with the scoundrel perfectly. It would be naive to think that none of your neighbors will try to stick their hands in your affairs. Especially that sly fox Irovetti. Et du coup, à quel jeu vous jouez, Javandi? Il me semble que j'ai le droit de savoir. Yes, yes, you certainly have that right. But tell me, how well do you know Brevoy's history or the current political atmosphere? It won't be an easy explanation. Et donc, que devrais-je savoir sur l'histoire de Brevoy? What's now called Brevoy was originally two different countries, Rostland and Issia. 200 years ago, they were stuck in constant squabbles. Then, Coral the Conqueror showed up and united the two states into one. Such diplomatic tricks are easy to manage when you have dragons at your disposal. The so-called noble houses of Brevoy, mainly Sertova, Orlovsky, and Lebeda, once ruled over Issia. We, the Aldori, ruled Rostland. The royal house Rogarvia, founded by Coral the Conqueror, forced us into obedience. But 200 years isn't long enough to make peace with such a troubled history. Even 2,000 years wouldn't be enough for us to accept Issian rule. Brevoy is a country held together by a thread, and that thread grows ever weaker. Et du coup, que devrais-je savoir sur la situation politique actuelle? We, the Aldori and the great noble houses, spent 200 years under the rule of invaders, the royal house Rogarvia. We plotted, we schemed, we stabbed each other in the back. But open confrontation was out of the question. But a few years ago, House Rogarvia disappeared. No one knows how or why, but one day, their manors were just empty. And the force that held Brevoy together, that kept us from a bloody feud, ceased to be. Brevoy is currently ruled by the House Sertova, the former kings of Issia. But their power pales in comparison to that of House Rogarvia when they were here. So now Sertova and Aldori stand facing each other, staring each other in the eye, waiting for the other to draw their sword. It's an untenable situation. No one wants a civil war that would drown Brevoy in blood, but peace between us is also out of the question. Mais du coup, quel rôle je sens jouer dans votre plan? Rostland wants to regain its independence, and we will regain it. The power the Issians hold over us is humiliating and costly. And the Sertovas won't give us our freedom without a fight. That is, unless there is some external power that can force everyone to sit down and talk. Do you see where this is going? Un petit peu, ouais. The stolen lands are disputed territory. Brevoy can't appropriate them without raising protests from each of the neighboring states. However, if some brave people were to found independent states on that land, it would be another matter entirely. My hope is that you and your future neighbors, Baron Hannes Drelev and Captain Magor Varn, will become our allies. But even your neutrality would introduce a powerful counterbalance to the aggression of the noble houses. Maybe, with your help, the inevitable division of Brevoy can occur without too much pain. Ça, l'avenir nous le dira. Le Seigneur des Épées ne compte-t-il aucun autre allié hors des frontières de... à même d'endosser ce rôle? We hope to get some help from the Myvani Aldori, the descendants of the Sword Lords who have fled from Coral's rage to build a new nation in the south. But the Issians know this well, and are doing everything they can to deny us this help. I won't go into details, but if my intelligence is correct, if a civil war starts in Brevoy, Myvan will be too occupied with its own inner troubles to interfere. Et quel est le rôle de Rostov dans cette histoire? Rostov is a free city, proud of its independence from everyone, including the Aldori Sword Lords. But when it comes to Rostland's liberation, our goals align. This whole plan is our joint creation with Lord Mayor Yosef Selemius.
Puisque Natal est déjà là, pourquoi vous laisse-t-elle me conférer ce titre ? Actually, she could still intervene and disrupt the proceedings. But she's a Sertova. Their games are always complex and multi-layered. They're always looking for ways to turn defeat into victory. If she's decided to allow you to become a Baron, it means she already has some idea of how she can turn it to her benefit. Let's consider how she could do so. Hmm, d'accord. Maybe she understands that Rostland will inevitably separate and she doesn't want a war. In that case, new states in the Stolen Lands give the Issians a reason to sit down and talk without losing face. But that's an optimistic view. And truth be told, it doesn't quite match up with what we've come to expect from the Sertovas. The more likely scenario is that Natala wants to win you over to her side. If war breaks out and at least one of you stabs us in the back, Rostland will be surrounded by enemies. That might be enough to bring about our downfall. But you would fall first, and your newly formed states would be left in ruin. The Issians always like to have someone around to pull their chestnuts out of the fire for them. A piece of friendly advice? Don't do business with House Sertovas, no matter what promises they make you. Any deal with the noble houses is a deal with devils. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tout de suite maintenant, qu'est-ce qui se passe? How should I know? We're in the middle of a big game. And today, you move from being merely a piece on the board to being one of the players. Ouais. Bon bah merci pour tous ces détails. I hope you have a better understanding of what's at stake. Bon bah je vais parler aux invités. Enjoy your evening. When you're ready for the official part, come to me. Ce qui a validé la quête principale, les terres volées. Une réception de la haute société est toujours un événement des plus divertissants. L'on y déguste du vin hors de prix que l'on accompagne de délicieux petits canapés. Sauf si l'on préfère oublier le buffet et profiter de cette occasion pour se faire quelques relations utiles. Ouais. Ok, donc je suis ici. Bah je vais parler aux gardes. Qu'est-ce que... What? Voilà tout le monde. Il y a des gens qui brillent et d'autres qui brillent pas, hein. Ah non, l'état... Ah oui, non, il y a des personnes de chez moi aussi. Oui, ceux qui brillent, c'est ceux de chez moi. Bon, ça fait déjà un peu moins de monde à parler. Lander, bon bah. Un peu jeune homme bien mis d'environ 17 printemps vous regarde avec un sourire poli. C'est donc vous, le futur baron célèbre pour avoir éliminé la clique du seigneur Serre. Très ravi de faire votre reconnaissance, je m'appelle Lander. Vous appartenez à la noblesse de Restov? Oh non, je ne suis pas d'ici. Disons que je suis de passage, voilà tout. Je tenais à voir de mes yeux les héros qui ont réussi à conquérir les terres frontalières. Et le seigneur maire a eu l'aimabilité de m'inviter à cette fête. À croire que vous lisez dans mes pensées, car c'est justement pour cela que je voulais vous entretenir. Ouais. Voyez-vous, je suis l'héritier de l'une des maisons nobles du Beffroi. Brévois. Je préfère taire son nom, mais croyez-moi. Un jeune baron sans relation a tout intérêt à me compter au nombre de ses amis. Je sillonne le pays de façon anonyme, sans serviteur, de façon à le voir tel qu'il est réellement. Non au travers de fenêtres d'un attelage, mais en me mêlant au petit peuple. De toute évidence, ma famille n'approuvait pas ma démarche. Raison pour laquelle j'ai décidé de me passer de sa permission. Je me suis appelé à administrer l'une de ces provinces, et il me faut d'abord apprendre à connaître le royaume. Je sais que Jamandi cherche à vous imposer son pupille en tant qu'émissaire du Brévois. Refusez, choisissez-moi. Ne vous fiez pas à mon âge. Si ce demi-orc a sans doute appris à manier l'épée, moi, je suis destiné à gouverner depuis ma plus tendre enfance. Je vous serai bien plus utile, aussi bien aujourd'hui que demain. Lorsque ma place au sein de ma famille sera définitivement acquise.
Je réfléchirai à votre proposition. Entendu, réfléchissez bien. Ah. Les discussions mondaines sont aussi utiles qu'épuisantes, ouais. Après tous ces hors d'œuvre, ne reste-t-il pas l'heure de passer au plat de résistance, à savoir la remise des titres blancs. Ah ouais, je peux parler une personne et après... On va parler de 2-3 personnes quand même. De toute évidence, cet homme est plus à l'aise sur un champ de bataille qu'en noble compagnie. S'il est bien bâti, le gilet luxueux dont il est vêtu semble mal ajusté, un peu comme s'il l'avait emprunté. Son visage est couturé de cicatrices blanchies par le temps, et ses cheveux sombres sont réunis en une queue de cheval désordonnée sillonnée de mèches grises. Il vous salue d'un large sourire assorti à une poignée de main virile. Permettez-moi que je me présente. Megar Varn, nouveau suzerain de Dunsworld. Votre voisin de l'Est. Tout comme vous, je suis sur le point d'être nommé Maron. Beau travail avec le Seigneur Serf, en fait. Tout le monde n'aurait pas été capable de mater une bande entière de brigands avec un groupe aussi restreint. Comment avez-vous obtenu le titre de Baron ? À vrai dire, mon équipe et moi avons eu la chance de trouver un bon endroit au bon moment. J'ai dit, Aldori avait besoin d'un homme de confiance pour prendre le contrôle de territoire. Or, je suis le capitaine d'un groupe de mercenaires. Au cas où vous l'auriez pas compris. Lost des Varning. Vous avez entendu parler de nous, non ? Bon, bah, peu importe. C'était pas la première fois que Jamandi fait appel à nos services. Cette fois, notre mission était simple. Nous sommes rendus sur les lieux pour éliminer des monstres les plus redoutables. Après quoi, nous avons bâti un fortin pour tenir la place. Et en récompense, voilà qu'on me décerne une baronnie et les terres qui vont avec. Que demander de plus ? Tout plaisir est pour moi, au revoir. Au revoir, passez nous voir quand vous aurez pris vos quartiers. Un autre soldat, ouais, bon. Ah. Will you drink with me? Ah ouais. C'est vrai, c'était une des mages qui avait rejoint Tartuccio. Oh, ouais. Allez d'autres buts, voulez-vous? I'd say you like to walk a straight road and keep away from roundabouts. Ça rend les choses plus simples. But jokes aside, I came to apologize. I know the words I said in our conversation with Lady Aldery might have offended you, but this was not my intention. The lessons life has dealt me were not easy. I've learned to be wary of new acquaintances, which is why I've refused to join your party. I hope you will forgive me for this weakness and for my harsh words. And I hope you will hear me out, for I have something to tell you. Oh, inutile de vous excuser. Je ne m'attendais pas à tous ceux que je croise tombent aussitôt sous mon charme et me livrent leur secret le plus inavouable. How amusing. Usually, those who don't seek affection are the very ones who receive it. Anyway, enough sweet talk. There is something important I wanted to tell you. As it happens, I came across some very valuable information. What brave conqueror of these wild lands wouldn't be intrigued by news of an ancient shrine, possibly full of great treasures? A place such as this was discovered by my old friends from Kadira. And it just so happens to be located in the lands that today become rightfully yours. My friends lack the courage to enter the shrine and seek the treasure, but what will stop us? We who know the taste of battle and have been singed by the same fire. Quoi de plus exaltant qu'une chasse au trésor? Ah, au travail! I'm sure you'd like to finally gain your official title and celebrate your victory. And I don't like noisy parties and ceremonies. Find me when you return to your dominion. I'll rent a house in your capital. We can discuss the details of our expedition there.
So long, friend. I'll call you so today, because soon enough, all you'll be hearing is, Your Grace, Your Grace, Your Grace. Ok. Je vais lancer plusieurs quêtes. De compagnons donc à rejoindre du coup la clique. Et ah. Votre combativité n'a d'égal que votre vivacité. Mes félicitations pour votre victoire. Profitez-en tant que vous le pouvez. Et qu'est-ce que l'avenir me réserve selon vous? Alors, rien de bon. Je le crains. Je présume que nos chers amis, les Aldori, n'ont pas jugé nécessaire de vous informer de leur projet. Voyez-vous. Et ils comptent prendre leur distance avec le Brevois. Et le processus s'annonce plutôt houleux. Pour l'heure, ils n'ont pas la puissance nécessaire, raison pour laquelle ils profitent de ce vide juridique pour créer de toutes pièces des alliés. Indépendants. Lorsque la guerre civile éclatera, vos terres seront les premières à subir les fautes du Brevois. Qui sait, peut-être érigera-t-on un mémorial à votre honneur dans la province du autonome de Restov. Honnêtement, je ne compte pas trop là-dessus, à votre place. Et que proposez-vous? Dans votre situation, le plus seul serait de vous rapprocher des suzerains légitimes de Brevois, les maisons nobles. Les Aldori n'oseront pas se rebeller, et s'ils se savent pris en tenaille. En épargnant au royaume une guerre civile, en garantissant vos propres terres et une paix bien méritée, vous ferez d'une pierre deux coups. Sauf erreur de ma part, Jamundi cherche à vous imposer son émissaire afin que vous gardiez, de vous garder à l'œil. Probablement ce pupille qu'elle a ramassé dans le caniveau. Ce jeune chiot à la peau verte qui se fait appeler Cassil. À vous de voir, mais en ce qui me concerne, j'aurai une autre ambassadrice à vous recommander. Je vous présente Chandra Merveille. C'est une merveille. Une diplomate expérimentée, plus au fond de la politique du Brevois, que ce buteur ne le sera jamais. Je serai ravi de vous aider à nouer des relations diplomatiques avec le Brevois. Je vais réfléchir à votre proposition. Prenez le temps de la réflexion, inutile de précipiter les choses, au risque de le regretter par la suite. Yay! Chacun se place. Il y en a encore deux. Les riches vêtements de cet homme dissimulent une véritable montagne de muscles. Oh. Il jette un regard lasse par-dessus votre épaule, sans chercher à cacher son ennui. Baron Anis Drelev, dit-il d'un ton désinvolte. Vous devez être l'assassin du CNRCR. Je regrette, votre nom est sorti de la tête. Or donc, vous vous apprêtez à supplanter votre infortunée victime, et ce, avec la bénédiction de Jamundi. Bon. Eh bien, toutes mes félicitations. Mes terres se trouvent à l'ouest des vôtres. J'imagine que cela fait de nous des voisins. Oui, j'ai vaincu le Seigneur Serre, et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites pour mériter votre nouveau domaine? Un point de mes besoins de mériter de prouver quoi que ce soit. Plusieurs générations de mes glorieux ancêtres se sont chargées. Je disposais d'un host en tant que quoi un peu plus fourni. Le seigneur des épées Jamundi m'aurait confié l'ensemble des terres volées. Mais bon, faute de mieux, elle a dû créer de toutes pièces, en toute hâte, un ramassis de nouveaux barons en anoblissant des roturiers tels que Varnez-vous. Je résume là. Vous n'avez ni armée, ni le moindre haut fait à votre actif. Hein. C'est uniquement pour votre bonne mine qu'on vous a octroyé vos terres, c'est bien ça? En d'autres circonstances, je vous aurais fait fouetter pour votre insolence. Mais bon, je ne devrais pas gâcher la petite fête de Damaldori. Si vous tenez tant à comparer nos mérites, nous remettrons ça une prochaine fois. Ok. Alors, heureusement qu'il m'a pas proposé un émissaire, j'aurais insulté. Un bel homme au visage buriné
serre fermement votre main dans ses paumes cailleuses. Contrairement au reste des invités, qui rivalisent d'élégance, il porte une robe toute simple. Son seul luxe, l'insigne sacré d'Erastil en or massif épinglé sur sa poitrine. Les convives le regardent avec un respect manifeste, parfois matiné de crainte. Okay. Félicitations pour votre victoire. Permettez que je me présente. Evan Keeg, grand prêtre d'Erastil et de Restov. J'ai vu comment vous avez combattu aux côtés de Jamanti cette nuit-là. Votre dieu vous confère une puissance impressionnante. Oui, j'ai autrefois servi Erastil sur le champ de bataille. Mais ce temps est révolu depuis longtemps. Aujourd'hui, je fais appel à ses pouvoirs. C'est généralement pour soigner un malheureux tombé d'un toit, plutôt qu'un soldat ayant reçu un coup d'épée. Je comprends bien qu'il faut des braves pour s'aventurer dans les forêts et tuer les monstres qui y rôdent, mais je suis plus utile à ma congrégation en restant ici, à m'occuper des choses plus terre-à-terre, comme les hôpitaux, les abris, ou les manifestations de bienfaisance. Instaurer le règne de la loi des terres voilées est une tâche ardue. Toute aide serait la bienvenue. Ah, la noble entreprise que voilà. Je crois que notre communauté vous apportera volonté son soutien. Nous vous aiderons à doter votre capitale d'un sanctuaire sans que cela vous coûte la moindre pièce. Les adeptes de Racis sont-ils si nombreux, Restov? À Restov, nous avons presque autant de dieux que d'habitants. Ok. Nos concitoyens prient Abadar, saint patron des villes, et Pharasma, la bergère des âmes. Il existe également des cultes plus rares, mais le dossier reste indéniablement le plus populaire. Cela n'a rien d'étonnant pour un peuple qui vit depuis des générations de l'agriculture et de la chasse. Votre tenue est étonnamment simple pour une occasion pareille. Si les nobles s'affublent de brocards et autres soieries dans le seul but de se distinguer du bas peuple, l'humble prêtre se démarque lui par sa modeste vertu. Vêture. Ce fut un honneur de faire votre connaissance. Au revoir. Erastil vous garde. Et bon. I lead, you follow. Alors, voici donc le héros de festivité. Le petit protégé de notre cher Jamanti. Vous en tirez avec brio, force mais de reconnaître qu'au départ, votre entreprise me paraissait vouée à l'échec. J'ai même parié une bouteille de mon meilleur cru de pizza que ça pour votre défaite. En fin de compte, je reconnais bien volontiers mon erreur. Les Alderies ont toujours le nez fin pour dénicher de nouveaux talents. Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Oh, non, effectivement. Yojef Selemius, seigneur maire de Restov. Pour vous servir. J'administre la ville proprement dite et toutes les terres qui en dépendent. En tant que votre voisin du nord, okay, j'espère que ce jour marque le début d'une longue amitié mutuelle et profitable. Oui, t'es pas le plus agressif en tout cas. C'est vous qui régnez sur Restov. Et Zaldori alors? Ah, les arcanes de la politique de Brivois semblent parfois insondables. Ici, dans cette région de Rost, l'esprit d'indépendance propre au nord est toujours bien vivace. Nous sommes fidèles au trône, bien sûr, puisque les dieux le veillent sur son attesse. Mais à l'écart de l'emprise de grandes maisons, nous avons notre propre vision des choses. C'est autant plus important après ce qui s'est passé récemment, si vous voyez ce que je veux dire. Les seigneurs épées Alderi régnaient autrefois en maître sur le Rost. Aujourd'hui encore, ce sont eux qui détiennent la majeure partie des terres et sont capables d'assembler les forces militaires les plus importantes de la région. Ce n'est pas un hasard si Restov bénéficie du statut de cité libre. Nous sommes fiers d'élire notre seigneur maire dans les rangs de nos citoyens. Non pas sur la seule foi de son lignage, mais en vertu de ses mérites personnels. Un peu fatigué peut-être, oui. Bon, ça fait quoi? Ça fait 2h43 que je parle. Bon, quoique. Les quêtes, les combats, c'était un peu moi.
Ce qui s'est passé récemment, vous faites allusion à quoi? Voyons, un jeune politicien en devenir doit être mieux informé. Je fais évidemment allusion à la disparition de la maison dirigeante Rogarvia. Pouvez-vous seulement l'imaginer? Le vieux Coral a conquis un notaire il y a 2 siècles, et je défie quiconque de prétendre la main sur le cœur qu'il n'a jamais souhaité la fin de la maison royale qu'il a fondée. Pourtant, le jour venu, tout le monde a été pris de court. Comme par magie, et dans tout le pays, l'intégralité des membres de la maison royale a disparu sans laisser trace. Personne ne sait ce qui s'est passé. C'est un véritable mystère. Une énigme aussi synonyme que de chance à saisir. Et du coup, si j'ai de restop, quelle est la situation? Sans vouloir me vanter, les choses sont nettement améliorées les dernières années. Le commerce est florissant, la population s'accroît, le peuple est heureux. Cela dit, en particulier depuis la disparition de la maison Rogarvia, nous avons affaire à de plus en plus de fauteurs de troubles. Des rumeurs particulièrement alarmantes circulent aussi dans la région, mais ce genre de raconteur n'est pas digne de votre attention. Ok. Bah, tout le plaisir était pour moi, au revoir. Un instant, je vous prie. Votre jeune baronnie va avoir besoin de ressources pour se développer, et mon petit doigt me souffle que vos finances laissent à désirer. Je suis prêt à vous faciliter les choses, en vous fournissant le nécessaire pour vos constructions et en étalant les coûts selon les termes qui vous seront les plus seraient très favorables. Par exemple, je pourrais vous fournir sur le champ, voyons, 500 chariots remplis de matériaux de construction. Je suis certain que cela vous permettrait de prendre un bon départ. En échange, je ne vous demanderai qu'une modeste faveur. À savoir de vous engager à recourir à la guilde des bâtisseurs. À la guilde, plutôt, des bâtisseurs de Restov, pour tout votre chantier. Cela jusqu'à ce que vous ayez remboursé votre dette. Qu'en pensez-vous? Marché conclu? Bah ouais, c'est un voisin, c'est la ville la plus commerciale, et on peut faire un marché de commerce. Ils veulent juste en retour un contrat d'exclusivité et ils me donnent... bon oui, j'accepte volontiers votre offre. Eh bien, dans ce cas, marché conclu. Je vais tout arranger et planifier de ce pas la première livraison. Bon. Et croyez bien que je partage votre sentiment. Je vous souhaite bien d'autres succès à l'avenir. So, how do you like our little gathering? I hope you've made some useful connections. Shall we move on to the official proceedings? Je suis prêt pour la cérémonie. Excellent. Stand here. Lords and ladies, today we are here to honor 3 brave people who have done the impossible. They've tamed the stolen lands. Baron Hannes Drelev, the new master of Glenabon, Captain Maegor Varn, the conqueror of Dunsward, and finally, the tamer of the Shrike Hills, who put an end to the atrocities of the Staglord's bandits. Step forward. On behalf of the people of the free city of Restov, I confer upon you this noble title. Rise, your grace. Ok. Bon.